Salut à tous, nous sommes donc au premier jour de l'Oméga, l'Oméga 100 d'un mur érigné, voilà, à côté d'Angers. Nous sommes avec le groupe Arcania, et je suis très content parce que pour une fois, c'est pas Guillaume et Cyril, voilà, hein, c'est Nico et Olivier qui sont là, voilà. Donc c'est vraiment sympa. Donc salut les gars, ça va? Impeccable, merci. Super cool, ça gère. Bon. Ok, allez, on va rentrer dans le vif du sujet, vous venez de sortir de scène quasiment. Donc, comment ça s'est passé un petit peu, les gars? Très bien. Bon ressenti, public présent dès le départ. Vraiment, que du bonheur, quoi. C'était vraiment cool. Hein. Super ressenti, c'était cool. La même chose, une bonne attitude. Je pense qu'on a bien fait le taf. Nico, j'ai manqué Nico à 3 reprises de le décapiter avec la China. Bon, heureusement, on a évité le pire. Ok. Aujourd'hui est un grand jour quand même. Hein? Alors, parce que bon, c'est la sortie, le jour J, du 3e album, Lost Generation. Justement, on peut en parler, mais pourquoi déjà, première question, pourquoi 10 ans? Alors pourquoi 10 ans? Parce que le temps tourne à une allure dingue et qu'il y a eu tout un tas de bâtons dans les roues, hein, que ce soit le Covid, l'argent, le temps, les plannings, etc. qui font que c'est jamais efficace déjà de réunir tout le monde. Après, du côté de Cyril qui lui compose tout, je pense l'inspiration aussi, le temps de faire quelque chose de bien et d'abouti, etc. Je pense pas qu'il faille non plus se presser pour absolument sortir des albums tous les 2 ans, on va dire, comme à peu près font la majorité des groupes. Il faut le faire au feeling, en fait, hein. C'est vraiment comme ça qu'on gère le truc depuis le départ. Et puis c'est important pour bien faire les choses, je pense. Et puis voilà, après, 10 ans, c'est vrai que ça paraît long, mais en même temps, c'est quand même assez court. Justement, l'album, il doit être prêt déjà depuis un moment. Est-ce que c'est pas un peu long des fois d'attendre comme ça et de sortir cet album un petit peu sur, on va pas dire sur le tard, mais des morceaux qui sont déjà écrits et composés depuis longtemps? Est-ce que c'est pas trop dur? En termes d'organisation, oui. On a été pas mal freinés par des promesses entre guillemets de signature de la part de label. On a pas mal démarché, ça a pris du temps, ça nous a retardé pour au final autoproduire l'album. On s'en doutait un petit peu, mais bon, on a essayé de tenter le truc, et bon, ça s'est pas fait, et au final on est content que ça soit en autoprod. C'est compliqué financièrement et en termes d'investissement, mais bon, au moins on possède notre objet, notre album à 100%, donc ça c'est chouette. Tant pis pour les labels. Hein, ils savent pas ce qu'ils ont perdu. Voilà. Donc, on va parler un peu de ce nouvel album qui est, je trouve, un petit peu différent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, différent, oui et non. Je pense qu'il y a quand même une continuité. On a bien senti au départ Sweet Angel Death qui était très axé trash old school, mais il y avait quand même cette donnée mélodique qui ressortait du lot. Toujours des solos de grade, des thèmes, des envolées un petit peu. Les morceaux étaient quand même assez longs, donc il y avait cette donnée assez prog qui ressortait beaucoup. Mais l'album d'après, bon voilà, ça, je pense que Cyril a voulu faire quelque chose aussi un petit peu plus personnel et de sortir un petit peu de ces carcans du trash qui sont peut-être un petit peu qui briguent un peu le truc, quoi. Et puis là, pour le coup, y a pas mal de mid-tempo, en fait, pas mal de mid-tempo. Il y a toujours ce côté mélodique, je pense, qui quittera jamais Arcania, parce que c'est un peu l'essence du groupe. Le thrash est un peu mis de côté, mais est utilisé à bon escient, en fait, sur l'ensemble de l'album. Et puis, c'est un peu des points clés, comme ça, dans l'album, qui ressortent et qui font que on reste pas dans le thrash à essayer de faire toujours la même chose, avoir notre identité. Je pense qu'il y a un gros côté ressenti et faire le truc un peu à sa sauce, quoi, sans vouloir coller à des codes absolument, tu vois. Tu disais que donc Cyril compose quand même pas mal. Est-ce que vous, quand même les autres, vous avez votre mot à dire? Vas-y. Alors oui, en fait, Cyril apporte toute l'ossature et les morceaux faits en termes de structure, de A à Z, les lignes de chant, la mélodie.
Nous, on va intervenir pour une partie d'arrangement, si on veut retravailler un break en particulier, ou proposer quelque chose, une modification un peu plus lourde. Enfin, tout est ouvert avec Cyril, et si on voit que ça marche bien et que ça se met bien en place, bah, il n'y a pas de souci. Mais généralement, ces morceaux sont bien taillés de base et bien pensés. Il a déjà la composition en tête, donc, et il nous connaît depuis le temps. Donc, généralement, sur les démos, il arrive à caler notre jeu un petit peu à l'avance. Donc, moi, c'est chouette. Ça fait un très gros dégrossi, du coup. T'es d'accord avec ça, Nico? Ouais, alors pour le coup, effectivement, il y a une grosse part d'arrangement qu'on apporte, surtout après coup. Donc, vu qu'on est obligé de travailler surtout avec moi à distance, puisque j'habite dans le Finistère Sud, c'est difficile de se coller vraiment les plannings, toujours pareil. Hein, c'est ça, moi je suis intermittent, j'ai d'autres projets aussi à côté. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui font que c'est difficile pour moi de me libérer. Donc, je travaille à distance et j'enregistre mes parties de mon côté. Voilà, on débat là-dessus, on voit qu'est-ce qui. Globalement, en fait, il n'y a pas tellement à débattre. D'ailleurs, c'est. On se connaît bien, comme dit Olivier, et on sait ce qu'on attend un petit peu les uns des autres, quoi, tu vois. Et puis, ouais, l'ossature est bien pensée, bien faite. Et on a des maquettes, en fait, qui nous servent tout simplement de support sur lesquels s'appuyer, faire nos arrangements. Et puis après, on crée du thème. En l'occurrence, moi, je crée du thème à la guitare, je crée des solos. Et puis voilà, après, roule, hein, c'est. Justement, de quoi traite ce nouvel album? Alors, je pense qu'on est assez mal placé pour parler des textes, parce que c'est Cyril qui s'en occupe. En l'occurrence, je pense qu'il y a beaucoup cette donnée de temps qui passe, justement, comme on en parlait juste à l'instant. Le temps qui passe, l'aspect générationnel. Il y a aussi des trucs un petit peu plus standards qui ressortent, on va dire des textes entre guillemets un peu plus trash, un peu plus bas du front, un peu plus ouais, un peu plus percutant, quoi, on va dire. Donc, je pourrais pas te détailler les textes là en l'occurrence, mais voilà, globalement, on va dire que c'est la teneur principale, quoi. On dit toujours que le troisième album, c'est l'album le plus important. Est-ce que vous êtes d'accord? Difficile à dire et d'avoir du recul là-dessus. On verra ce que cette sortie nous réserve et on espère avoir pas mal de concerts et d'opportunités qui se proposeront à nous. Donc, on est plutôt confiant, ouais. Je dirais que troisième album, si c'est véritablement un tournant pour le groupe, oui. Après, je pense que tous les albums en soi sont des tournants à proprement parler pour le groupe, étant donné qu'à chaque fois on explore des choses un peu différentes, toujours dans la même veine, mais pour autant on essaye d'apporter de se renouveler simplement. Ça, c'est un des aspects qui est le plus difficile, je pense, en composition. Cyril s'en sort bien sur le sujet parce que c'est vrai qu'on a jamais de rédite en fait quand on écoute les morceaux, que ce soit du premier album jusqu'à maintenant. Il n'y a jamais vraiment de truc où tu dis ah, ça, ils l'ont fait déjà 20 fois. Je pense que ça serait un point fort de l'album. Après, en ce qui concerne le tournant de carrière, on va dire de ce qui pourrait se faire en termes de vente, etc., c'est compliqué parce que aujourvi, le marché, l'industrie de la zik est quand même assez versatile et puis ça a beaucoup bougé depuis le temps, quoi. Il y a Guillaume qui est arrivé là, qui fait le zozo. Alors voilà, c'est bon ça. Allez, rentre, mon Guillaume. Hein, je vois que tu as envie de dire quelque chose. Dis bonjour. Bonjour, j'ai toujours un truc à dire. Il n'y a pas de souci. Je peux tenir des heures comme ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je peux raconter la vie des huîtres écossaises, justement, bipolaires. Il n'y a pas de souci. Vous voulez savoir quoi? Rien du tout, on veut que tu te barres. Cassez-vous, putain, cran de mime. Allez. Donc, on va repartir un petit peu sur le côté live. Justement, est-ce que vous avez des choses de prévues? Je sais qu'il y en a de prévues, c'est pour ça que je dis ça. Alors là, en l'occurrence, il y a un concert qu'on joue à Laval la semaine prochaine, donc ça doit être samedi, je crois.
Voilà, après, s'il y a des trucs dans les tuyaux, pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas vraiment en parler sur des dates annoncées ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de vraiment annoncé. Ça va surtout être pour l'année prochaine. Ça va être de s'axer sur une tournée qui va pouvoir faire en sorte de promouvoir l'album et voilà, de faire le taf hein, qui va derrière une sortie d'album. Ces dates-là, elles étaient un petit peu en préambule en fait, bah, le temps de faire la release party, tout ça. Donc effectivement, ce soir, c'est le soir de la sortie d'album. On avait fait une release aussi au Ferrailleur il y a 2-3 semaines de ça, qui était un petit peu plus en demi-teinte, parce que du coup, c'est pareil, hein, y a eu des choses qui se sont mal goupillées au niveau des sorties physiques, etc. Ben voilà, ça fait partie du jeu, on est obligé de faire avec. Mais en l'occurrence, c'est très bien que ça se fasse ici, parce que c'est un peu le fief d'Arcania, et je trouve que c'est un bon retour sur le truc, quoi, pour faire une belle release party à la maison, quoi. Et justement, est-ce que tu crois que les gens attendaient vraiment cette date aujourd'hui? Concerne Arcania ou ouais, je pense quand même, parce qu'il y a, y a une fan base, il y a des gens quand même qui écoutent, qui connaissent Arcania déjà depuis longtemps. Le groupe existe depuis 99. C'est vrai que depuis le temps, je pense qu'il y a quand même des gens qui suivent Arcania, et en l'occurrence ici, donc on l'a bien vu ce soir, hein, il y a quand même beaucoup de gens qui étaient présents, le public répondait voilà, du tac au tac, c'était très plaisant, quoi. Donc ouais, cet accueil, et puis après peut-être il y en avait la majorité qui savait peut-être pas que l'album allait sortir ce soir, c'était peut-être une surprise, mais en l'occurrence c'est très bien que ce soit une surprise, c'en est une bonne quand même. J'espère donc qu'il y aura une tournée hein, l'année prochaine, j'y compte bien, parce qu'on vous attend, et puis je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de vous voir. Est-ce que vous allez vous greffer justement un petit peu sur les festivals ou pas? Alors ça c'est pareil, hein, je pourrais pas te dire là en l'occurrence qu'est-ce qui quel festival, etc. C'est toujours très compliqué en fait de se placer sur des festivals quand t'as pas de label ou de boîte de booking. Là je pense que ça va être surtout du démarchage sur les boîtes de booking, et puis voir qu'est-ce qui va en ressortir. Il y a des choses qui sont déjà prévues en termes de dates, mais c'est un peu tôt pour en parler. Donc bon, on verra. Je peux pas te donner d'infos en ce qui concerne les dates pour l'instant, quoi. Ok. Eh bien, on va terminer cette petite interview. On va dire aux gens d'acheter l'album, hein, c'est important. Il sortait ce soir, donc il faut l'acheter. Nous, Arcania, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, c'est important. Au Get the Riff, donc à Bonchamp-lès-Laval, avec une superbe affiche. Comme ça, qu'est-ce que vous avez pensé de l'affiche de ce soir, qui est un peu éclectique quand même? Ouais, c'est vrai que c'est assez éclectique. Je dirais que nous et Chryzix, on ressort un petit peu du lot, où on a affaire, bah, avec Ipscore, qui est un groupe un petit peu entre guillemets, hein, de la trempe d'Ultra Vomit, où c'est assez second degré, etc. Mais en soi, c'est une bonne chose, parce que le public, d'une manière générale, demande de voir des choses assez différentes. C'est sûr que si on resserre sur toute une soirée que des groupes qui sont un petit peu dans les mêmes teintes, et absolument faire, tu vois. Faire ressortir la soirée trash, parce que voilà, c'est comme ça qu'on l'a agencé. Bon, moi je trouve ça bien, je trouve ça bien, c'est une bonne chose. D'accord, Olivier? Complètement d'accord. Ok, bon les gars, merci, merci bien. Et puis bon, on se donne rendez-vous l'année prochaine, hein, pour les concerts, ça c'est sûr. Et surtout, acheter l'album, hein, qui est sorti ce soir, c'est très important. Donc voilà, et à très bientôt. Salut!